nilipenda kuprofite na hii occasion kwa kutumia ndugu zangu wa mama wa baba wa pale nyumbani kwetu Uvira, pole kwa janga kubwa ambalo liliweza pata mwingine ya Uvira kupitia débordement ya rivière Mlongwe. Ni mambo ambayo hatujawahi kuona tangu tumezaliwa. Tumeona maafa, tumeona manyumba na tumeona watu wengi ambao wako na kosa hata mahala pa kulala. Tumepata masimu nyingi na sisi tunataka kupitia message kuambia kwamba hatujawasahau na tuko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo nataka tu kusema kwamba kitu ambacho kitushangaza ni kuona kama serikali ya mitaa ile tunaita mairie na mingine hawakuwahi kuintervenir. Tuliona ni wajene tena ndio walianza kwenda na kuwa natafuta na kuogota maiti bila kuwa hata na msaada wote. Kwa wale vijana tunawapatia pongezi kubwa, ila tunawaambia kwamba serikali haitawasahau. Sisi watoto wenu ambao tuko huku Kinshasa tuko nafanya vyote viwezekanavyo ili serikali itoe misaada. Wenzetu ambao ni wabunge wanafanya hiyo kazi, na sisi ambao tunakuwa kwenye kabinet ya president la republique tuko nafanya hiyo kazi. Tayari tumekwisha kuadresse note technique yetu, tayari tumekwisha kualerte wakubwa wa nchi na rais mwenyewe, na ninaweza kuwapatia habari ya matumaini ya kwamba serikali itaasiste watu ambao wamepoteza vitu vya mingi kule Uvira. Wamepoteza maisha, wamepoteza manyumba, serikali itawasiste, kwani ni wajibu wa serikali kuasiste wale watu. Kwa hiyo kitu nataka kuambia raia wawe kimya, raia waendelee kumtizamia rais wetu Felix Tshisekedi Tshilombo, ambaye anakuwa ni mtu mwenye iko karibu na raia na anakuwa na huruma na anakuwa tayari kabisa kusikia malalamiko na shida ya raia. Na shida iliyotokea hapo Uvira, rais Felix Tshisekedi amejisikia kuguswa, na msiku zijazo mwezi siku mbili kutakuwa delegation ambayo itaenda Uvira juu iasiste wasinisre na kuwasaidia. Poleni sana wa mama, poleni sana wa dada, wa kaka na wa baba zetu, na wale wote walipoteza, wasikate matumaini, tuko pamoja kwenye kilio. Je profite de cette occasion parce que, comme vous le savez, la ville d'Uvira, depuis avant-hier, a connu un drame. Nous qui avions vécu, né et grandi à Uvira, nous pouvons vous dire que c'est dit jamais vu. La rivière Mlongwe a débordé son lit jusqu'à causer, cette rivière a y a causé des dégâts énormes, incalculables, à la suite d'une inondation. Et les dégâts et les bilans est vraiment énorme. En ces temps ici, j'aimerais m'associer aux familles, aux frères et sœurs, parents, grands frères, grands-pères qui ont perdu les leurs. On dénombre déjà plus de 30 morts. Le bilan officiel fait état de 25 morts, mais selon nos sources, c'est plus de 30 morts parce qu'on enregistre même des disparus. Je crois que le bilan n'est que provisoire, mais les informations à notre possession vont jusqu'à dire plus de 30 morts, plus de 500 personnes sans abri, donc 500 familles, et plus de 3500 personnes qui sont en train d'errer dans la ville d'Uvira. C'est une première. Nous condamnons à juste titre les retards de la part du gouvernement provincial et même de la mairie d'Uvira. Parce que nous avons assisté et nous avons vu les images, c'était des jeunes volontaires qui, dans leur courage, dans leur souci de solidarité, ces jeunes se sont mis à rechercher certains corps. Et nous encourageons ces jeunes pour avoir posé des actes de bravoure, des actes de solidarité. Mais je leur dis que le gouvernement central ne manquera pas de les assister.
le gouvernement central est à leur chevet. Nous qui sommes ici à Kinshasa, comme leur fils, nous sommes en train de mener un plaidoyer. Et nous l'avons déjà fait avec nos collègues qui sont députés nationaux et nous autres qui sommes au niveau du cabinet du chef de l'État, avions déjà adressé une note technique qui dirait cette note est sur la table du président de la République. Il est très sensible et il est disposé à aider. Je ne saurais pas donner la date avec précision parce qu'il y a un ministère qui est chargé des affaires humanitaires qui, du reste, va donner tous les programmes et les détails, mais je peux vous rassurer qu'il y aura une assistance du gouvernement national. Et cette assistance, ça sera pour soulager la misère. Ça ne pourra pas résoudre le problème. C'est pourquoi je tiens à demander à nos frères et sœurs, et à nous tous politiciens, de faire un geste de solidarité à l'égard de nos pauvres populations. En cette période de COVID-19, où la population était censée être confinée, la population était censée être en quarantaine, voilà que la ville d'Ouvira vient d'être frappée. Nous espérons que Dieu va nous épargner de cette maladie, de cette pandémie. Parce que si cette pandémie venait à frapper certains des nôtres dans la ville d'Ouvira, ça sera l'hécatombe. Parce que pour le moment, on ne sait plus respecter les mesures barrières telles que décrétées par les chefs de l'État en raison de la situation que nous connaissons présentement à Ouvira. Mon intention, personnellement, c'est de lancer ces messages de solidarité, de compassion et montrer à cette population que nous sommes ensemble avec eux. Je dis et je vous remercie.